Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour aller sur la Londe, faire les petites hauteurs. On va encore en chier, enfin pour ma part en tout cas. Il y a Fabien, il est revenu, il se gèle les couilles. Alors Fabien, on se les gèle. Ici voilà. C'est glacé de partout. Voilà. Donc il va falloir pédaler pour se réchauffer maintenant. Allez, c'est parti. Allez, on part à l'aventure, là on va se suivre une petite trace, 35 km, je sais pas, 800 ou 900 mètres de dénivelé, on va voir. Elle est de 2000, combien t'as dit, 2012? Alors on verra bien s'il n'y a pas des trucs de fermé ou quoi, on avisera en fonction. Bon sinon ça caillouille, hein, ça caillouille sa race. On est toujours pas chaud là. Je crois que c'est la première fois qu'on est content que... de faire une montée pour essayer de se mettre en température. Oh putain, même si elle est petite, c'est bon, ça prend, ça réchauffe là. Les paysans du coin, ouais, ils sont cool, ils ont pensé à nous démarrer le chauffage histoire de remonter un petit peu les températures. J'ai l'impression que ça monte là. Allez, c'est parti pour se réchauffer. Ah, c'est passé. Oh, je suis bon. Voilà. Ça, c'est fait. Joli, Seb. Je m'auto-congratule. Et ça redescend de suite, ça va être 2-3 coups de cul comme ça. Ah, et c'est parti pour le deuxième. Allez, bim, la deuxième. Putain. Avec la fatigue que j'ai, je reviens pas pour l'instant de la faire sur le vélo. Allez, c'est fait. À droite après, non? C'est quoi? On a rejoint les petites vignes. Comme tu peux le voir, là, on est à l'ombre, c'est tout gelé, c'est tout beau. Voilà. Du coup, là, on en profite, on se refait un petit peu, parce qu'après, je pense que ça va remonter sec. C'est pas comme si on n'avait pas prévu que ça allait monter sec. Bah, tant pis. Hein. Je vais aller en station, moi, faire que de la descente et du télésiège. Je pense que ça sera mieux pour moi. Faites du vélo qui dit. Putain, sans déconner. Ah, pourquoi je suis là? Mais non, ça se fait. Là, on s'accroche. Voilà, comme vous pouvez le voir, dans une sortie, dans un groupe, il y a toujours les touristes et les vrais vététistes. Et les touristes. Imaginez. Continuez de nous le dur. Ça monte. Du technique en plus. Là, on refait la caisse. Et on monte un peu à pied. Ah purée. Ah, dommage qu'il m'en manque sous le capot, parce que ça, franchement, si t'as un petit peu les cuisses, t'arrives à le faire en vélo, à rigoler dessus. Enfin, ça m'entraide quand même. Youf, youf, youf. Enzo qui avait les binous. Bon, on est en haut. Ah, il nous attend, binous. En haut de ce petit faux plat. Oh, putain. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Dédé? Ça descendait?
Ça montait légèrement. Ouais. Ouais, plein de caillasses. Ça descendait, mais on l'a pris dans le mauvais sens en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on est en haut. Et puis ça fait du bien d'être en haut quand même. Ouais, en haut, on est en haut. Ouais, c'est pas gagné, tu me diras, ça monte encore peut-être un peu. Ah, un petit peu dégoûté là. Descends par une DFCI pour l'instant, tout ce qu'on a monté là. On s'est fait chier comme des rats morts et il n'y a même pas un beau single. Bon, ben ça, c'est les... comme ça, quand tu prends des traces que tu connais pas, forcément, des fois, ça arrive. En espérant que on soit gâté après. Alors là, les amis, on s'est pris un pétard de notre monde dans un lotissement pour rejoindre l'autre côté là. Je te dis pas. Mais par contre, on a une vue magnifique. Je vous la montre après, un peu plus haut. Il n'y a pas une jolie toile de fond, les amis, qu'est-ce que je vous disais là. Au plus on monte, au plus c'est magnifique. Après, je vous fais une belle panoramique là-dessus. Ouais, Philippe. Allez, voilà, c'est cadeau. Ça aussi, c'est cadeau, regardez. Le petit groupe du jour. C'est cadeau. Bon, c'est moins joli que le panorama, mais c'est quand même là. Ouais. Les lignes courbes. C'est comme les montagnes. Juste quand je démarre, ça remonte. Je croyais que ça descendait. Juste quand je démarre la caméra, ça remonte. Bon, bah la prochaine. C'est un rail autoroute. Allez, ça va descendre, oui, encore un petit peu. Dommage. Enfin, ça va descendre enfin, quoi, je veux dire. Mais dommage que ça soit encore pas une rail, c'est encore assez large. Ouais, toujours sur le parcours. Faut que je regarde ça aussi. Bon, c'est joli quand même. M'arrête pour guider les copains. Allez, elle est sympa quand même. Mieux que la DFC. Ah, j'ai tout arraché. Il y a une branche. Je sais pas si je vous ai encore. Vous êtes encore là ou pas? Putain. Regardez, le GPS et la descente en même temps, c'est pas une bonne idée. Mais bon, il n'y a pas le choix. On est dedans. Alors. Iou. Ouah, ça monte. Ah. Ça redescend encore. Ah là, c'est plus intéressant. Ben, ça avait l'air. Ah quoi? Ah ouais. C'est bon là. Ça fait chier quand tu sais pas où tu dois aller. Parce que le GPS, t'es obligé de le regarder. Et du coup, faut pas concentrer à ce que tu fais. Allez, on est bon là. On a la bourre. Bon, écoutez les amis, là, par contre, ça continue à descendre, un petit faux plat descendant. Bon, j'ai pas filmé, mais ça reste fantastique. On se refait, par contre, ça va. Je pense qu'on va en chier après. Il reste encore 300-400 mètres de dénivelé à faire, et là, je pense que ça va piquer. Pas vrai, les amis? Oui. Ouais. Bon, ben ça monte toujours. On s'accroche. Les copains sont là-bas devant.
encore ça monte sur le vélo, donc ça va. Puis dans tous les cas, il n'y a pas le choix que de s'accrocher. Comme je le prévoyais, la forme, elle revient pas aussi vite que chez certains. Donc il va falloir encore s'accrocher quelques sorties avant de peut-être de pouvoir reprendre plus de plaisir. Enfin, c'est pas que on prend pas de plaisir, c'est bien au-delà, sinon je serais pas sur le vélo. Mais que ça soit un peu plus cool, quoi. Non, non, les gars, je vous promets, je me suis pas arrêté. Hein. Je suis à fond de deux. On suit le monsieur là-bas. Allez, on s'est récupéré une petite braille qui devrait descendre. Histoire de se détendre un petit peu, parce que là, putain, j'ai le dos, les amis. J'ai mal. Hein. Et enfin, on a notre petite braille. Notre petit braillon. Oh purée, c'est bon. Aïe, la branche de la traite aussi, c'est bon. Attention, branche par terre. Oh, que ça fait du bien. Alors là, les ronces, faut faire gaffe dans le guidon, parce que là, c'est un bon truc. Hop. Parce que ça te freine et à passer par-dessus. Ah, passer. Oh putain, j'ai pris une ronce dans la gorge. Elle a glissé. Ah, ça va. Ça va juste griffer un peu. Allez, c'est fini pour cette descente. Ah non, c'est pas fini, je m'en rappelle plus. J'y vois rien, là on est à contre-jour, putain. Il fait nuit. Bon, après, quand j'y vois rien, c'est encore là que je me débrouille le mieux. Oh putain, le dérailleur, il va pas passer. Là, les pédales. Ah, c'est passé. Juste, mais c'est passé. Oh putain, j'aime pas là. Avec le petit devers sur le côté, à tout moment, tu finis dans la goulotte. Oh, ah, gagné. C'est passé. Oh putain. Mais ils sont fous, les amis. Ils sont fous. Ah, ah, ah. Pardon. Merci beaucoup. Il y en a 8, 7 derrière. Allez, on est bon. Ah, elle était géniale. Ah, ça fait du bien. Oh. Allez, ça fait du bien. Là, ça roule tranquillement. Il nous reste encore normalement une montée de 3 bornes. Donc il faut se refaire un petit peu, quoi, tranquillement. Et après on devrait être vers la fin de la sortie. On a déjà fait 24 bornes, il reste 10 km. Quoi. Normalement elle était donnée pour 35 km. Donc voilà. Je l'avais dit, hein, que ça montrait un peu. On y est. Alors là, c'est pas cool du tout. Ah. Ça, c'est pas gentil, ça. Ça, c'est vraiment pas gentil. Ah. Bon, on va essayer de se le faire. Je vous filme pas, ça va être trop long. Bon, mais je viens de caler là, pas loin de l'arrivée, mais je l'ai pas fait. Et ben c'est une fin de sortie qui dépote là. On fait que des petites montées là, comme on vient de faire. Ça envoie du bois là, physiquement. Alors normalement par ici ça devrait descendre. Et je sais pas si je suis bien calé, mais on a une vue mer en face. Je sais pas si vous arriverez à la voir.
ça sera peut-être même plus joli à regarder la lumière que moi en train de faire du VTT, quoi. Ah, allez, après un petit pétard, j'aime pas quand ça monte dans les descentes. Ça redescend un peu. Alors là, il y a plein de petites caillasses qui roulent sous les roues. C'est un peu la merde. Faire gaffe aussi aux branches qu'il y a sur les côtés là, parce qu'à tout moment ça te prend un frein. Du coup, pensez à laisser un doigt derrière pour éviter ça justement, pour le bloquer, le frein, le levier. Bah. Oh là là, t'es tenté de regarder le paysage du coup, et plus le chemin, tellement que c'est beau là-bas au fond. Il y a le jeep. Attention, doucement, doucement, il y a du monde. Non, mais c'est pour derrière aussi. On est 8. Merci beaucoup en tout cas, c'est gentil. Oh purée, après 28 km dans les pattes, ces petits coups de cul là. Même s'ils sont pas longs à chaque fois là. Oh, ça me cintre. Allez, on se motive, ça va descendre. Encore. Les gens, ils ont décapsulé les gars. Regardez-moi comme c'est beau là. C'est magnifique. On a retrouvé la DFCI et la mer en arrière-plan. Ça fait du bien. Allez, c'est parti. Ça sent... Oh putain, ça sent la caillasse. Ça sent la dernière descente. J'espère. Parce que sinon, ça veut dire qu'il va falloir remonter. Et bon, on en a assez fait des montées quand même là aujourd'hui. Ouh là là. Bon, eh ben, c'est pas si mal que ça pour l'instant. Celle-là, je sais pas si on la fait pas des fois en montant, justement, en parlant de montée. Et j'ai tendance à m'écraser sur la branche. J'ai toujours pas regardé la pression avec le poids récupéré sur le pilote. Quand même ça. Oh ben elle est plaisante. Aïe. Ah, qui c'est qui a fermé le portail? Ouais. Le petit Limosa du Sud, regarde comme c'est beau. Yeah, yeah. Ah, bon, ben, comme il se doit chez nous, fin de sortie, là, ça te fait on l'arrose. Fils, du moins. Une bien belle sortie, en tout cas 35 km pour à peu près 900 mètres de dénivelé, donc ça fait du bien, ça fait travailler. Même si le physique y revient difficilement, ben, écoute, on s'accroche. En tout cas, magnifique de par les paysages, c'est un régal de rouler sur la Londe, t'as toujours la vue sur la mer. Manquait juste un petit peu de single, mais on a eu quand même de quoi s'amuser en descente, donc c'était un régal. Bon, ben moi je vous dis à la prochaine, ça sera pas dimanche, parce que dimanche prochain on saute une vidéo, parce que comme on va, je sais plus où, à Boulouris, ça sera sur la journée, donc j'aurai pas le temps de faire de vidéo. Donc on saute un dimanche et on se retrouvera au week-end d'après. Allez, ciao tout le monde.